Salut tout le monde, c'est Vince. J'espère que vous allez super bien parce que moi je pète le feu. Je parle assez doucement parce que je suis encore dans mon appart à l'heure actuelle, mais c'est super. On se retrouve aujourd'hui pour le défi des 100 jours, saison 10, jour 78. Il m'est arrivé un truc de ouf hier, c'était le jour 77, parce qu'en fait, j'ai eu la possibilité, en fait, par les bureaux où je suis à l'heure actuelle et les studios, d'avoir la possibilité d'intervenir auprès de personnes, auprès de gens, à faire visiter les lieux, à expliquer un petit peu mon activité et tout ça. Et ce qui est juste extraordinaire, c'est que hier, j'avais une intervention auprès de une cinquantaine d'élèves d'un lycée de Brive. Donc du coup, je les avais tous autour de moi comme ça, et puis j'ai fait mon intervention pendant 10-15 minutes sur mon activité, sur comment j'ai commencé, comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce que je fais exactement. Et essayer de les pousser à se trouver peut-être une passion, à peut-être aimer des choses dans la vidéo, à peut-être à voir ceux qui seraient intéressés pour venir, pour faire du bénévolat, pour faire des stages, peut-être pour venir... J'ai un peu mal à la gorge, pardon, excusez-moi. Mais du coup, ouais, c'est trop trop bien. Je vous montre quelques images là de cette intervention hier. Donc c'était juste extraordinaire et je suis tellement content de faire ça parce que... c'est ce que je voulais au final, je voulais faire ça et du coup j'ai essayé de leur transmettre un peu mon enthousiasme et le pourquoi j'ai fait ça, comment j'en suis arrivé là, en fixant des objectifs aussi. Donc même si indirectement je leur parle pas de défi des 100 jours, de développement personnel, j'essaye de motiver les gens comme ça à atteindre leur but en disant que tout est possible, qu'on peut arriver à des choses comme ça. Donc je leur ai montré des vidéos de ce que je faisais et je leur ai expliqué mais comment un jeune comme moi d'une petite ville qui n'a aucune base en vidéo a pu arriver à ça. Donc du coup, voilà, c'était extraordinaire. Et donc je remercie infiniment le 400, le tiers-lieu 400 là-bas qui m'offre ces possibilités à chaque fois de faire des formations, de faire des interventions auprès de personnes, auprès de jeunes. C'est extraordinaire. Ensuite, je vous montre quelques images de mon cadre qui est juste là-bas en fait, qui est mon tableau de trophées. Enfin, c'est un petit peu mes trophées parce que je suis en train de le remplir petit à petit. C'est vraiment toutes les photos que je prends à chaque fois sur depuis le début de mon activité avec des artistes, des choses que je fais, des personnes que je rencontre. Et je les accroche comme ça. Et c'est bien parce que ça rappelle des bons souvenirs. Et puis voilà quoi, c'est extraordinaire. Donc en tout cas les amis, voilà, c'était une petite courte vidéo pour vous dire qu'au jour 78, c'est un truc de dingue ce qui se passe. Je vais entamer bientôt la fin de ce défi saison 10. Il me tarde d'attaquer la saison 11 parce que déjà cette saison 10, de faire le bilan, je l'avais dit en plus au début des vidéos, les premières vidéos du défi de la saison 10, j'avais bien expliqué que ça allait être une des plus belles saisons de toute ma vie. Et effectivement, c'est une des plus belles saisons que je vis. Voilà. Donc en tout cas les amis, ben moi ce week-end j'ai 2 jours intensifs de salon du mariage. Donc du coup les images que je vous ai montrées là de l'intervention, je vais en faire un vlog. Donc vous verrez un petit peu toute la totalité de l'intervention. Et surtout de la visite du 400, donc la visite de mes bureaux et des studios et des bureaux des autres. Donc cette vidéo arrivera peut-être la semaine prochaine, je vais voir, ou dans le week-end. Et ensuite, je vais sûrement vlogger ce week-end au salon du mariage, voilà. Parce que je suis exposant et en même temps, je suis prestataire du salon du mariage pour la 3e année. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Donc je vais faire des belles vidéos, je vais faire des belles choses, je vais rencontrer des belles personnes, je vais revoir des belles personnes. Juste la vie est magique. Donc en tout cas, les amis, je vous fais de gros bisous. Merci infiniment, vous êtes de plus en plus à vous abonner, à liker la vidéo, à liker les vidéos, à mettre des commentaires. Voilà, c'est juste ouf. Et merci. Donc, pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit commentaire. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Vince Movies. Et puis, je vous dis à la prochaine, les amis. Bye!